Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous. Aujourd'hui dans Sculptris, nous allons voir le son numéro 7 qui portera sur la suite de la brosse Grab. Nous allons donc étudier la suite des fonctions de l'outil Grab en passant par l'outil Scale afin de redimensionner l'objet ou les objets en question. On s'amusera à créer les éléments comme les yeux, le bout du nez, les gants et les dents. Mais attention, là aussi, je vous laisserai sculpter. C'est-à-dire que le but de mes vidéos est juste de vous donner l'impulsion ou l'envie de sculpter. Mais surtout savoir utiliser les outils. Mais sans plus attendre, regardons cela dans le logiciel Sculptris. Donc nous voici dans Sculptris. Alors pour ceux qui ne connaissent pas mes vidéos, ce petit personnage vous pouvez le retrouver sur mon site internet, dont je vais vous donner tout de suite le lien. Ce lien sera aussi disponible sur YouTube. Mais sans plus attendre, regardons où trouver cette information. Donc comme vous pouvez voir ici dans le site savoirpourtous.eu, il suffira de revenir. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en arrière. Hein afin que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Donc euh, vous arrivez sur le site savoirpourtous.eu, ensuite vous allez dans le module graphisme. Là vous avez différents modules intéressants comme SketchUp, euh, SketchUp Make 2016, Blender, euh, Inkscape. Mais bon, la leçon porte sur Sculptris, donc on va cliquer sur Sculptris. Et vous accédez donc euh, à la leçon, euh, au site enfin compte internet, sur le logiciel Sculptris. Il suffira ensuite de cliquer sur Vidéo, sur l'onglet Vidéo. Et là, vous accédez aux différentes vidéos précédemment faites sur YouTube. Vous avez ici, vous voyez, un petit fichier zippé. Et en le récupérant, vous aurez un fichier qui s'appelle shipper00.sc1. Vous l'ouvrez avec Sculptris et vous retomberez à l'identique de ce que je suis en train de vous faire comme cours à l'instant. Mais revenons maintenant à Sculptris. Donc, le but de cette vidéo va être de vous expliquer comment fonctionne Grab, c'est-à-dire les autres fonctions. Là, comme vous pouvez voir ici, si j'ai un cercle, ça veut dire que je vais pouvoir étirer la matière. Rappelez-vous, je l'avais expliqué la dernière fois dans la leçon précédente. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cocher global, et vous allez voir, maintenant, il va se comporter complètement différemment. Donc, on va déjà commencer à vouloir ajouter les yeux. Donc, on va faire New Sphere, et ici, on va mettre Add Object. Alors, le Facing Camera, ça veut dire simplement que votre objet sera face à la caméra, et Don't Resize, ça va être un objet qui sera plus ou moins grand par rapport à la position de la caméra. Mais sachant qu'on va utiliser l'outil Scale, qui va permettre de resizer votre objet, aucun intérêt. Donc on clique tout simplement sur Add Object. Et là, vous, avez, vous voyez, on a deux, deux sphères. Donc on clique comme ça. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir resizer. Donc on va cliquer sur Scale. Et vous allez faire un glisser déplacé de votre bouton gauche. Et vous allez voir, automatiquement, vous allez pouvoir resizer les yeux. Alors quelque chose de très intéressant. C'est pourquoi il y a une couleur noire bah, Tout simplement parce que là vous voyez on est en train de, on est en train de choisir à l'heure actuelle, on est sur les sphères qui serviront de... des yeux. Mais moi c'est très bien, mais je voudrais maintenant sculpter ici. Bah, vous pouvez pas. Il faudra faire tout simplement CTRL A qui a permettre de désélectionner votre... vos éléments, vos objets. Hein. Si vous voulez, c'est un peu comme des calques sous GIMP ou Photoshop, et vous avez différents calques. Bah, c'est le même principe avec Sculptris Si vous faites CTRL D, là tout est noir. Et regardez, on va cliquer sur les yeux, on va faire en sorte d'appuyer sur l'outil grab, et là vous pouvez placer les yeux. Donc là, bon ben hop, on va les placer rapidement, hein, parce que le but, comme je vous expliquais, c'est pas de faire de la sculpture, mais c'est surtout vous expliquer comment ça fonctionne. Donc là, on a les yeux, parfait. Je, je réappuie sur CTRL A, et là vous voyez, on a tout. Maintenant, ce qui va vous intéresser, c'est faire le bout du nez, comme je vous expliquais dans l'introduction. Ah ben là, c'est pareil, vous allez faire New Sphere. Add Mais cette fois-ci, attention, n'oubliez pas qu'on est en mirroring. Mais là, si je me mets au milieu de mon, mon personnage, vous savez, on a la ligne qui définit le mirroring, c'est-à-dire droite et gauche, vous n'avez plus qu'une seule sphère. Vous cliquez là, pareil avec la touche raccourci T, vous faites un scale du museau au niveau de shipper. Vous voyez, là, je prends grab pour le placer et on va dire que c'est à peu près correct. Voilà. Donc là, CTRL A pour repartir et on est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste les dents. Alors les dents, ça va être un peu plus compliqué. Parce qu'il va falloir partir d'une sphère, l'aplatir et essayer de faire après quelque chose d'intéressant. Donc là aussi, je vais aller assez vite. Le but n'est pas de vous expliquer comment sculpter. Comme je vous disais, je vous le dirai souvent, je ne suis pas sculpteur ni dessinateur. Donc je préfère vous montrer comment faire. Donc là, c'est pareil. On va faire New Sphere, Add Object. Là aussi, il faut qu'on soit bien euh, au niveau de la ligne pour qu'on n'ait qu'un seul objet. T, on va faire un resize. Et vous allez voir, c'est comme si qu'il y avait quelque chose dans la bouche. Parfait. Alors maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est utiliser le flatten. Rappelez-vous, le flatten va permettre de. Comment dire D'aplatir un petit peu. Donc regardez, je fais comme ça. Donc on est en hang falloff. off. plane, non, on va... ne va... va pas se focaliser sur un seul endroit. On va juste essayer d'aplatir le tout. Histoire que ça fasse assez, assez sympathique. Vous pouvez aussi prendre D et avec Shift faire un lissage pour essayer de tout, vous voyez, tout doucement enlever la matière. Et en fin de compte, grâce à ça, on va pouvoir revoir les, se dessiner les lèvres de votre shipper. Hop, pardon. Alors, pomme Z et j'appuie sur Shift. Le but, voilà, c'est. Voilà. Alors, euh, c'est pas très beau, hein, je vous l'accorde, hein, mais euh, c'est juste vous expliquer comment on va faire. Et après, imaginons, il faut faire les dents. Ben là, vous prenez E pour quiz. Vous allez définir ici, euh, alors la taille, on va mettre un petit truc comme ça, la force, barre d'espace hein, pour accéder aux informations. Le détail, on va le mettre euh, ici, sinon ça va être trop détaillé. Et là, on va faire, regardez, on va faire quelque chose comme ça. Rappelez-vous, hein, on a le mirroring, donc c'est parfait, il fait l'autre trait de l'autre côté. Et puis on va faire des dents par exemple. Donc vous voyez, le quiz va servir à faire ça. Vous voyez on va faire de même de l'autre côté. Alors là, c'est très moche. Pourquoi c'est très moche Parce qu'en fin de compte, les dents elles sont créées. Bon, c'est pas terrible, hein. Vous, avez, vous verrez, je vous montrerai tout à l'heure ce que je me suis amusé à dessiner, qui n'est pas terrible non plus, mais qui est un peu mieux. Et quoi qu'il en soit, euh, le but c'est de vous expliquer les outils. Donc vous avez vu avec le quiz, ça permet vraiment de faire des traits, et par exemple pour faire les dents. Tout simplement. Je fais CTRL A. Donc là, on a maintenant quoi On a les yeux. Alors, il manque la pupille des yeux. Très bien. Je refais New Sphere Add Object, je me mets en Mirroring, T, et je réduis. Et là, vous allez voir. Ah, pardon. Alors, voilà. Et là, vous allez voir, si j'y arrive. Alors, oui, vous avez remarqué aussi que quand j'appuie sur G, j'ai Grab qui va me permettre d'étirer la matière. Si j'appuie encore une fois sur G, vous pourrez cette fois-ci bouger vos objets. En fin de compte, certains outils ont deux fonctions. Pour le scale, c'est pareil. Le scale, on verra ça bien plus tard, ou un peu plus tard. La première fonction permet d'étirer la matière ou de scaler la matière, mais euh, si vous appuyez une autre fois sur T, vous allez pouvoir faire autre chose avec. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant prendre greb pour le mettre ici. Donc, on va faire à peu près... Hein, hop. Voilà. Bien évidemment, c'est trop gros, c'est évident, mais ça vous laisse... Donc, on reprend T, on fait un petit. Voilà, c'est pas mal ça. Ici, on modifie. Hop, là, ça ressort bien trop. Parce que c'est quand même la pupille des yeux. Et voilà, là, vous avez euh, les yeux de votre shipper. On fait CTRL A pour revenir, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste les mains. Alors là, c'est pareil pour les mains. Je n'irai. Euh... Je vais juste vous expliquer comment faire, mais ça va être très simple aussi. Hein. Vous comprendrez après. Euh qu'il faut que vous puissiez aussi sculpter à votre manière, c'est-à-dire euh, apprenez, euh, avec les outils que je vous explique, là, que je vous donne, apprenez à sculpter. Sculpter n'importe quoi, mais sculpter. Il y a comme ça que vous apprendrez. Donc on va prendre pareil, New Sphere, on fait Add Object, parfait, T, vous voyez, est toujours pareil, hein. toujours la même punition. Cette fois-ci, alors on va prendre G pour bouger, on le met à peu près aux emplacements, voilà. Et maintenant, ce que j'ai fait moi euh, sur mon précédent, c'est que je me suis amusé en fin de compte à dessiner. Donc, j'ai créé par exemple le pouce. Vous voyez toujours avec l'outil Crise. Hein, donc E pour euh, touche raccourci. Ensuite, j'ai dessiné les doigts. D'accord Premier doigt, deuxième doigt et troisième doigt. Et en fin de compte, le fait de faire ça, vous voyez, il suffit après de, de comment dire, de diminuer la matière. C'est-à-dire qu'avec votre outil G, donc Grab, vous allez tout doucement, vous allez, vous allez tout doucement écraser la matière. Alors, si ça fait ça, c'est parce que je, je cliquais sur l'autre endroit, c'est pour ça que ça a changé de couleur. C'est un, un peu long, hein, fastidieux. Il y a une autre manière de faire, mais pour l'instant, on ne va pas l'évoquer dans ce cours, c'est le masque. C'est effectivement beaucoup plus simple, mais déjà ça vous montre un petit peu. Alors, faire ça c'est bien. Mais rappelez-vous par rapport au dessin que vous avez tout le temps qui apparaît en dessous. Euh, ben là, en fin de compte, on pourrait dire, ben non, ma main, elle va rester collée, que c'est la pierre. Et en fin de compte, je vais tout simplement étirer la pierre. C'est comme ça que j'ai réfléchi. Donc, regardez, on va faire comme ça. Et tout doucement, on va pouvoir créer la pierre. Là aussi, je vous expliquerai comment faire pour enlever ce trait disgracieux, disgracieux, pardon, qui fait office de mirroring. Mais ça, on verra aussi bien plus tard. Et vous voyez, le fait de faire ça... Et voilà, on peut doucement, on peut commencer à créer notre, notre caillou, en fin de compte, où les mains sont apposées. Donc là, évidemment, il reste, par exemple, vous voyez, il faudrait faire ça. Là, il faudrait faire. Alors, si on fait Ctrl A et on repart sur Ctrl D, on sélectionne lui, on va maintenant utiliser, par exemple, Inflate. Rappelez, l'Inflate, c'est pour gonfler la matière. Donc là, je vais lui demander de gonfler la matière et ça va lui faire comme des manches. Regardez, si on regarde le dessin, vous avez une espèce de de gants qui a une espèce de, de, de truc gonflé là. Donc là on peut prendre par exemple le crease et faire le petit trait comme ça. Bon voilà, bon, écoutez c'est bien moche ce que j'ai fait, je vous l'accorde, mais le but encore une fois c'était de vous expliquer comment faire. Donc vous l'aurez compris, le plus important quand vous rajoutez les objets c'est CTRL A qui va permettre donc de désélectionner tout le monde, CTRL D de sélectionner tout le monde et choisir ce qui vous intéresse. Là on sait que c'est un objet donc on peut cliquer dessus. Ça, on sait que c'est un objet, là on peut cliquer dessus. On sait que c'est un objet, on peut cliquer dessus, et ainsi de suite. Si vous voulez sélectionner plusieurs objets, il suffira tout simplement de cliquer sur Shift. Donc vous appuyez sur votre touche du clavier Shift, et vous cliquez. Et là, vous aurez sélectionné à la fois le corps et les dents. Voilà, bon bah écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Euh, simplement, je vais vous présenter la version finale que je me suis amusé à faire, que vous trouverez sur le site internet que je vous ai, pré que je vous ai présenté tout à l'heure. Et ça vous permettra, si vous le souhaitez, récupérer ce fichier qui s'appellera shipper01.sc1. Euh, Peut-être SC2, je verrai, mais bon, quoi que dans ça, vous pourrez récupérer et vous amuser avec. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. La prochaine vidéo portera sur le masque, justement ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, qui nous permettra de, par exemple, si on veut faire, je sais pas moi, un... imaginons notre cheaper d'un seul coup il y a des tentacules, je vous expliquerai comment faire à un instant précis pour faire une tentacule. Mais on verra ça plus tard. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!